écoutez, je suis ravie de vous retrouver car aujourd'hui c'est une nouvelle qualité d'image. Effectivement, le 28 février j'ai eu 30 ans, oui! Donc je me suis offert un Canon EOS 700D. Voilà. Parce que je voulais un appareil qui soit performant et qui fasse des belles photos d'Hugo en noir et blanc, etc. Donc je me suis offert ce petit plaisir ainsi qu'un bureau. Parce que vu que j'ai repris le boulot, il me fallait un bureau pour pouvoir bosser à la maison. Vu que, bah, je vous parlerai de ça un autre jour, mais vu que je suis secrétaire, enfin on a notre société avec trois autres associés, donc c'est encore une autre histoire, mais bon. Donc voilà, le sujet de la vidéo c'est les promos, excusez-moi pour le prix, les promos Carrefour. C'est les instants de la beauté Carrefour. Alors ils appellent ça top haut, au top de ma beauté, eux ils appellent ça. Parce que les instants beauté, c'est Leclerc. Les jours de la beauté et Leclerc, je crois. En vrai, je les avais fait l'année dernière. Mais Carrefour, j'optimisme. Oui, moi aussi, j'optimisme. Ouais, il y avait des choses intéressantes, donc voilà. Je suis rentrée du boulot tout à l'heure. Je suis passée par chez Carrefour, donc. Parce qu'il y en a un sur le passage en rentrant, pour rentrer à la maison. Et c'était le premier jour. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est le premier jour. Donc, si vous voyez ça, je sais pas, c'est jusqu'au... du 7 au 30 mars, donc vous avez largement le temps. Il y a énormément de choses. Moi j'y suis allée quand même le premier jour pour avoir un plus gros panel de ce qui se faisait. J'avais pas besoin franchement de tout, donc il y a beaucoup de gel douche, de déo, tout ça, rasoir, cire épilatrice, les nouveaux mascaras Rimmel, mais je trouvais que j'en avais pas forcément besoin, j'en ai beaucoup en backup, donc voilà. Mais sinon, il y a plein de choses. Donc, bah, moi, je vais vous montrer ce qui m'a intéressé, moi. Et n'hésitez pas quand même à aller regarder leur site internet ou piocher cette pub quelque part. Et puis vous aurez la possibilité de faire les promos. Donc, on va commencer tout de suite avec ce petit vernis de chez Rimmel. Donc en fait c'est un vernis 60 secondes chrono. Ils en font pas mal la pub. Là c'est un taupe. Et c'est le 711, le Rain Rain Go Away. Donc j'espère qu'on verra bien la couleur. Voilà. Et pour le Rain Rain Go Away, le 711, voilà. Donc en fait ils sont sans... Oui, salut, c'est moi. Donc ils sont censés sécher très vite et avoir une très bonne tenue. Ils en font souvent la pub à Leclerc comme à Carrefour, à moins cher. Donc si ça tient, je ne doute pas que j'en rachèterai plus tard. Donc ceci pour 2,25€. Ensuite, en ce moment, j'ai entamé crème de jour et crème de nuit chez L'Oréal et j'en suis contente. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu de quoi il s'agit. C'est le Revitalift 10 nuit et puis le code jeunesse. Jour, et donc celle-ci était en promo, il y en avait plein d'autres mais était cher encore, restait cher. Donc le laser 3, etc. Voilà, si l'hyaluronique au lieu d'être à 17 est resté à 11€ et quelques, donc je trouve quand même c'est relativement cher, même si c'est de la bonne marque. Voilà, je me suis plutôt pris, donc c'est les Revitalift soins régénérants nuit et jour. Mais j'ai 30 ans, ça passe vite, donc je veux pas vieillir trop vite, donc je me suis acheté ça. Donc anti-ride, extra fermeté. En espérant que le Pro Retinol A et l'Elastiflex, ça fasse quelque chose. Ouais, parce qu'en ce moment, enfin je sais pas si c'est les 30, le cap des 30, hein, mais je me tartine en ce moment. Soir et matin, je me tartine pour être belle. Enfin, je sais pas si ça marche vraiment, mais c'est vrai que j'ai eu la peau sèche pendant un moment. Donc j'ai décidé quand même d'agir. Ouais. Non, franchement, c'était grave. Donc voilà quoi. Je me suis mise un peu aux crèmes, etc. Je ne le faisais pas avant, mais bon. C'est tout. Donc ça, 5,30€ l'unité. Ensuite, je parle pas de trop parce qu'après, on va y passer des plombes. Alors, je me suis trouvée la Garnier. On en parle en ce moment. La micellaire, tout en un. T'as plus besoin de te maquiller. Te démaquiller, t'as tout dedans. Nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage. Visage, yeux, lèvres. Enrichi en glycérine hydratante, formule haute tolérance. Et ouais, ils en font la pub à la télé, alors j'ai voulu essayer et c'était en promo. Donc il y a aussi, alors ça c'est pour peau sèche et sensible, mais il y a pour celui juste pour les peaux sensibles en fait.
Si t'as pas la peau sèche, c'est pas grave. Donc moi j'ai pris celle-là parce qu'en ce moment, voilà, un petit peu la peau qui s'assèche. Donc ça, c'était à 2,72€. Ensuite, on a un rouge à lèvres Rimmel qui est là. Donc c'est la couleur 220 Rumor as it. C'est un espèce de framboise et en ce moment j'aime bien les framboises. Donc j'aime bien la framboise. Je trouve ça plutôt sympa au niveau de la couleur. Ça fait quand même un effet hyper frais sur les lèvres. Donc j'ai pris cette teinte là. Voilà. Ensuite, alors celle-ci c'était 3,99€ le rouge à lèvres. Voilà. Ensuite j'ai pris ça. Alors ça c'est mon top. C'est l'arginine résiste. Je les achète à chaque fois. J'aime beaucoup. Ça me rend les cheveux doux. Après je sais pas s'il y a des cochonneries à l'intérieur du genre tout ce qui est pas bon, mais j'ai l'impression que ça me les galbe. Et excusez-moi, je me gratte encore parce que j'ai encore ce souci et j'arrête pas quoi. J'arrête pas de me gratter. Mais bon, ça j'aime bien. Donc je les ai rachetés. Franchement, je les aime bien. Là, mais je les achète toujours en promo. Hein. Là, ils étaient à 6,30€. Donc au lieu de 10,37€. Donc voilà quoi. Ça fait quand même 4,20€ de gagner. Ensuite, je me suis pris cette crème miracle de chez Garnier. Ouais, parce qu'en fait, c'est une crème nuit. Comme ça, j'aurai un backup. Parce que je ne fais en gros que les bons plans Leclerc et bons plans Carrefour dans l'année. Donc, j'en achète plusieurs. Comme ça, j'ai ce qu'il faut, quoi. Anti-âge, défatigant, nuit, peau réhydratée, défatiguée, éclatante. Nuit après nuit, et c'est actif, et blablabli, et blablabla, testé dermatologiquement, etc. Donc, bah, je vous dirais, entre L'Oréal et ça... Bah en même temps, le Garnier, c'est L'Oréal aussi, hein, délire. Ça, faudrait le dire aussi à certaines youtubeuses. Qui disent, moi, bon non, j'aime pas L'Oréal. Ah ben non, ben t'aimes bien Urban Decay, c'est L'Oréal. T'aimes bien Yves Saint Laurent, c'est L'Oréal. J'ai envie de te dire, t'aimes bien, je sais pas, d'autres choses en pharmacie, c'est L'Oréal. Garnier, c'est L'Oréal. J'ai envie de te dire. Et il faudrait que je vous fasse une revue là-dessus. Pour vous donner toutes les marques qui appartiennent au groupe L'Oréal. Parce que ça en étonnerait certaines unes, et d'autres aussi, et ça vous éviterait de dire des bêtises certaines fois. Je vise personne, hein, franchement, je me rappelle même plus qui c'est, j'ai entendu dire ça. Donc ça n'est dirigé vers personne, hein, je critique pas. Mais franchement, quoi, faut juste savoir... Enfin, moi, je rêve de travailler chez L'Oréal, donc en même temps, je veux dire, heureusement, je le sais, quoi. Ah, voilà, quoi. Donc c'est tout, c'est juste pour savoir quelle marque... dans quelle gamme L'Oréal est le meilleur, soit Garnier, soit ça, parce qu'il y a plusieurs choses chez Garnier dont je vais vous parler tout à l'heure que je préfère plutôt que la L'Oréal nude machin, je préfère l'eau de bébé crème, enfin voilà, mais c'est toujours chez L'Oréal. Donc ce truc là, il est à 6,90€. Il est plus cher que le Revitalift que je vous ai montré anti-âge. Ensuite, alors toujours chez L'Oréal, en même temps, voilà quoi. J'ai pris ceci. En fait, pour 3 acheter, t'avais... Enfin, pour 2 acheter, t'avais le troisième offert. Mais justement, je voulais voir, par rapport à cela, il y avait plusieurs produits. Et donc, vu que j'adore celui-ci à l'arginine, je voulais savoir s'il y avait meilleur que l'arginine, celui que je prends. Donc, j'ai pris le Total Repair 5. Parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ça. C'est s'il est meilleur. Et ensuite, j'ai pris l'anticasse parce que j'ai les cheveux. Bah, du coup, avec vu que je me lave les cheveux tous les jours à cause de mon traitement capillaire, je voulais savoir lequel était le meilleur. Et celui-ci, c'est le Total Repair Extreme. Savoir si je dois changer de l'arginine résiste. Et je voulais pas aller payer plein pot, quoi. Donc là, un offert, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, voilà le pourquoi du comment de cet achat-là, en particulier sur les après-shampoings démêlants. Puisque les shampoings, c'est des shampoings de pharmacie, enfin de dermato, que je peux pas changer. Donc j'ai pas racheté de shampoing du coup, parce que j'en ai plein encore en backup. Et donc ça, c'était
Donc, il y en a un, il était à 3,03€. Et je l'ai eu offert, du coup. Et les autres étaient à 2 et quelques. Mais en gros, les deux, c'était à 6€ et des brouettes, quoi. Donc, voilà. Et vu que je comprends pas les étiquettes de chez Carrefour, puisque les étiquettes de chez Carrefour, on comprend rien. Ouais, enfin, si vous êtes déjà un client de Carrefour, vous saurez de quoi je parle. Mais ne cherchez pas à comprendre leurs étiquettes. Regardez, moi tout grébouillé parce que j'ai pas retrouvé les prix, les vrais prix, des prix. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, je regarde quand même depuis combien de temps je filme parce que si ça coupe, je suis pas dans la mouise. Alors, ensuite, on avait le déo bille Ushuaïa. Alors, ça, je l'ai pris parce que c'est censé être à la fleur de frangipanier. Voilà. Et donc, en ce moment, j'aime bien le monoï, etc. Ce qui me rappelle Tahiti. Enfin, j'y suis jamais allée, mais bon. Voilà, quoi. Ce qui m'apaise au niveau de l'odeur. Je sais que quand je sens le soleil, ça me fait plaisir, en fait. Tu vois, c'est vraiment le truc que j'adore. Cette odeur-là, j'adore. Ensuite, j'ai pris la pure... Alors, les Déobi à 3,30. Les deux. Ensuite, la bébé crème, celle-ci, là, vous savez... 8 en 1 bébé crème anti-imperfection, je l'ai pris en teinte claire parce que j'ai l'autre, celle qu'ils avaient sortie au tout début, je la déteste. Elle fait orange, elle est orange. Donc bah, j'ai pris celle-là en teinte claire pour voir un petit peu si elle est moins orange. Mais sinon elle est Dreamu, Pupu, Bébé, Maybelline. Alors je sais que c'est toujours L'Oréal, mais ça c'est pas un produit qui... Bon, j'ai pris celui-là pour tester, mais l'autre je l'aimais pas. Ensuite, toujours au Ushuaïa, celle-ci, alors celle-ci, c'est toujours huile de monoï et fleur de tiare. Ça sent les vacances et j'adore. Donc ça, 3,20€. Ensuite, on a la crème de soin d'Op. Alors celles qui n'ont pas vu ma routine sur les extensions et sur les cheveux longs, bah, maintenant ils commencent à bien récupérer. Enfin, même si j'ai des démangeaisons, ils ont quand même une belle longueur, donc ça j'adore. Le mien était presque fini, donc heureusement je suis tombée dessus. C'est une crème nourrissante soin au karité. Alors c'est pour les cheveux normalement afro ou frisés, mais en fait je l'adore, ils sont trop bons. Il y avait, donc ça c'est sans rinçage, il y avait à l'argan, l'huile d'argan, mais c'est avec rinçage. Et il y avait aussi une autre senteur du Maroc ou je sais pas, quelque chose du genre, et c'était avec rinçage. Et moi j'aime bien en fait le principe du sans rinçage, donc j'ai repris celui-ci et il m'a coûté 2,65€. Ensuite j'ai pris le nouveau bébé Gomat, donc c'est une crème poudre, je sais pas trop en fait, je l'ai pris pour tester et je l'ai pris... Il y a l'applicateur intégré. Ouais, ok. Je pense que c'est du même genre que la cushion de Kiko que je vous ai présentée. Et la Miracle Cushion de... Cushion de chez Lancôme. Je pense. Donc c'est Maybelline qui fait ça. Et c'est comme ça, là. Et je l'ai pris en teinte claire. Voilà. Bah, je verrai bien, hein, parce que... Ouais, si, ça a l'air d'être pas mal. On verra. Je vous dirai ça. 5,25€. Ensuite, ce lot-ci de bébé crème 5 en 1 anti-imperfection. J'ai adoré celle pour les peaux grasses mixtes à grasse. Donc je voulais absolument tester celle-ci. C'est ce que je vous disais. Entre la bébé crème, hein, enfin mixte à grasse et la L'Oréal. La L'Oréal, bah, je ne l'ai pas là, mais elle est juste derrière. C'est la nude, la bébé crème nude, en fait. J'aime. La nude, elle était, c'est la première que j'ai achetée, elle était pas mal. Elle est pas mal, mais je préfère la Garnier peau mixte à grasse. Je la préfère nettement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vous dire.
Mais la nude, elle laisse un fini un peu gras avant de pénétrer, elle pénètre pas forcément bien. Et puis vous savez, moi j'ai un peu des cratères avec l'acné que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Et donc en fait, c'est une crème, enfin c'est un liquide blanc qui est censé prendre la couleur de votre carnation. Et moi en fait, le liquide blanc dans les pores du coup qui sont dilatés et les trous d'imperfection, enfin de boutons quoi, d'acné, il reste blanc. Alors t'es là, t'appuies dessus pour essayer de faire pénétrer. Enfin, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé cette bébé crème donc de chez L'Oréal. Ensuite, c'était quoi ensuite Donc les deux crèmes, 8,78€. Ensuite, Skin Soin Miracle. Skin Soin Miracle. C'est le soin miracle perfecteur bébé aussi. Et vu que j'aimais bien bah, du coup l'autre, bah, j'ai pris la bébé crème blur perfection ultime. En teinte claire. Voilà, comme ça des bébés crèmes, j'en ai d'avance. Puisque c'est ce que. Même quand je sors pas maquillée, en fait, c'est la unique chose que je mets. Et donc j'en essaye plusieurs pour trouver celle qui me conviendra le mieux. Et en général, Garnier, c'est celle que je. Qui me plaisait le plus, donc j'ai opté pour les différentes donc vous voyez hein, les différentes sortes. Et si ben, je reste sur Comix ta grâce et que c'est la meilleure, ben, je reprends pas celle-là, mais en attendant comme ça voilà quoi. Ensuite je me suis repris un rouge à lèvres Rimmel. Il y avait plusieurs teintes hein, en promo, mais moi j'ai pris la teinte 630, le Coral Britannia. Voilà. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, le Coral Britannia est vraiment très joli. Alors, par contre, si vous n'avez plus dans les présentoirs chez Carrefour, allez en rayon. En rayon, vous allez voir sur les étiquettes, c'est quand même marqué promo. Et parce que les gens, ils jettent sur les gondoles. Alors qu'en rayon, t'as la même chose, quoi. Donc, une teinte que vous ne trouverez pas en tête de gondole, vous le trouverez dans le rayon. Juste pour vous dire ça, quoi. Donc cette donc toujours 3,99€. Ensuite la bébé base lissante. Donc c'est le Magic Blur de chez L'Oréal. Voilà. Le Magic Blur, baume lissant, unifiant, resurfaçant. Donc lisseur, ride instantané et soin anti-âge. Ouais, j'ai acheté pour tester. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est vraiment une base lissante. Ils disent quoi eux? Soin de jour anti-âge. Non mais c'est pour eux c'est un soin de jour. Mais ils disent quand même que c'est une base. Donc bon, on verra bien. C'est pas grave. Donc 8,76€. Ensuite, alors, je me suis pris ce que tout le monde aime. Le nude Wonder Dream Nude. C'est l'eau de teint en fait de chez Maybelline. Et en fait je vous ferai, parce que je suis allée en Allemagne. Donc j'ai un vlog aussi à vous présenter, plus un haul essence Catrice P2 et Alverde. Et j'ai une eau de chez Alverde, donc je ferai une comparaison. Je vous ferai la moitié ici, Maybelline, et la moitié là, Alverde. Comme ça vous verrez au niveau du rendu ce que ça donne. Bon, c'est tout, si c'est pas la même bonne teinte, ben on verra. Mais il me semble quand même qu'elle a l'air pas trop mal. Donc je l'ai pris en teinte 20... beige éclat, mais c'était la plus claire. J'ai regardé, c'était vraiment la plus claire. Après je peux pas vous dire, il y avait d'autres choses plus foncées, mais la 20, la plus claire, je me suis dit bon, ça doit être à peu près j'avais pas trop le choix. Ensuite, donc ça c'était à 5,45€. Bon, je trouve que ça va quand même encore pour ce prix là Ensuite, alors ça, je me suis pris ces petites choses là. Donc c'est ça s'appelle en gros c'est des gels douche et bains moussants de la marque Energy Fruit par Sophie et Caroline. Voilà. Et en fait ils sentent trop. Il y a plein de parfums. Il y a coco, fraise, kiwi, fruit de la passion. Là j'ai exotique. Là j'ai miel et huile d'argan. Il y a même des flacons pompes pour se laver les mains. Il y a grenadine, il y a menthe à l'eau. La menthe à l'eau, elle sent trop bon.
Il y a Barbapapa, il y a Framboise, mais vraiment c'est ces deux-là que j'ai le plus adoré. Je regrette un petit peu la menthe à l'eau, mais en même temps j'ai jusqu'au 30 mars. Donc voilà quoi, je veux dire, je vais pas... Jusqu'au 30 mars j'ai le temps. Si vraiment je recraque, je l'achèterai quoi. Mais bon, j'en ai déjà pas mal, donc j'avais pas forcément envie de me lâcher. Oh là là, ça sent le miel, ça sent bon. Et le miel et la camomille, c'était deux senteurs qui, avant ma grossesse, j'aimais pas trop. Et au final, j'adore maintenant. Je sais pas pourquoi. Donc ça, en fait, il y en avait un acheté, un offert. Et en fait, il était à 3,99€. Donc 3,99€ pour les deux. Et ensuite, je me suis pris... le Pure Active solution micellaire tout en un, donc comme celle de tout à l'heure, mais là il n'y en a qu'une en fait, et c'est pour peau mixte à grasse et sensible, donc c'est pour vraiment les peaux à problème. Alors celle-là par contre, je sais pas où elle se trouve. 2,70€ je l'ai payé, donc voilà pour une eau micellaire. Je crois pas qu'elle sente quelque chose. Si, mais en même temps j'ai les bouchées, donc voilà. Mais elles sont un peu le frais, alors que les autres de tout à l'heure, elles n'ont pas de parfum. Et puis en dernier, je me suis pris donc un autre chubby stick. Donc c'est le sang, le Give Me a Cuddle, fais-moi un câlin. Donc en fait c'est un plus rosé celui-ci par contre. Alors j'attends la mise au point. Un plus rosé, mais il a l'air très très beau. Un peu avec un sous-ton corail quand même. Donc voilà, je voulais absolument, donc pardonnez-moi ma dégaine, mes cheveux, ma pince qui se barre, tout ça quoi. D'ailleurs je vais un peu la remettre quand même pour être présentable. Voilà. Je suis quand même une belle brune, hein, mais j'ai les cheveux blancs. Vous voyez là, les cheveux blancs. Je sais pas si vous voyez. C'est moche. Mais bon, j'aurai une belle mèche blanche après. Donc voilà, bref, peu importe, c'était mes achats des instants beauté Carrefour. Enfin, c'est pas des instants beauté, mais moi je les appelle comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis je vous dis, hein, y a beaucoup de choses à l'intérieur que je n'ai pas pris. Des vernis, des shampoings, des lotions, des mixas, des machins. Franchement, il y avait de quoi à faire. Mais voilà. Donc attendez, me quittez pas tout de suite. J'en ai eu pour en gros je devais en payer 192 et j'en ai payé que 104. C'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Donc voilà. Donc ouais, ça fait pas mal d'économies. Et si on les achetait plein pot pendant l'année, ben voilà quoi, ça coûte forcément plus cher. Donc voilà, je vous laisse, prenez bien soin de vous, la vie est belle en rose, n'oubliez pas de liker, de me suivre sur tous les réseaux sociaux, je le fais pour vous, donc j'ai aucun intérêt, sinon je laisse tomber. Je fais un gros bisou aux nouvelles abonnées, j'embrasse bien sûr mes anciennes, mes fidèles, mes amours, mes douceurs. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, ciao.